Une photo sur le pass de l'artiste, avec ni plus ni moins que son illustre grand-père Django qui semble l'écouter, David Reinhardt perpétue la tradition familiale d'artiste, de voyageur, de guitariste hors pair. Il n'a que 24 ans mais parcourt déjà le monde pour y donner des concerts. Liberchi reste pour lui un endroit pourtant sans pareil. 100 ans après la venue de notre famille ici et la naissance de mon grand-père sur ce lieu, c'est beaucoup d'émotions. L'année dernière, j'étais venu, il y a une dame qui m'a pris dans les bras et qui s'est mise à pleurer. C'était une dame de Liberchi, voilà, j'espère la revoir cette année. Ça m'avait fait drôle, vraiment. Voilà, c'est pour vous dire un peu l'état d'esprit des gens et puis des musiciens à cet endroit. Jusque dimanche soir, tout le village de Liberchi s'ouvre, comme chaque année, à la musique manouche. Dans une ambiance rare, familiale, conviviale, qui attire les amateurs venus d'un peu partout en Europe. C'est un festival qui était vraiment très très familial, des artistes de tout niveau, mais surtout le village vit à côté, donc on a une quarantaine d'animations.